Alors, il y a deux examens clés. Le premier, c'est le test immunologique fécal, qui est le nouveau test de recherche de sang dans les selles, qui est à la fois plus simple et plus performant que le précédent test. Il doit être réalisé tous les 2 ans dans la population cible, donc la population des personnes âgées de 50 à 74 ans. Il est donc, comme je l'ai dit, très simple d'utilisation. On ne doit le faire que sur un prélèvement de selles. Et il est très performant puisqu'il détecte 2 fois plus d'adénomes et de cancers que le précédent test. Donc ça, c'est l'élément de première ligne du dépistage. Et puis le deuxième élément, bien évidemment, très important, c'est la coloscopie, hein, qui est donc l'examen qui consiste à explorer l'intérieur du côlon dans son ensemble, au cours d'une anesthésie générale, qui permet à la fois de repérer d'éventuelles anomalies, mais surtout de les enlever lorsque c'est possible, hein, en particulier d'enlever les adénomes, de manière à faire disparaître le risque de cancer colorectal ultérieur.